Είναι αλήθεια πως αν σήμερα βρισκόμαστε εδώ, αυτό γίνεται χάρη στη δουλειά όλων αυτών των γυναικών και των ανδρών που οικοδόμησαν το Λύκειο. Οι καθηγητές, οι γραμματείς μας, οι επιτηρητές, οι διευθύνσεις. Όλο το προσωπικό, αλλά και όλοι εσείς οι γονείς, πάντα απαιτητικοί, που μας εμπιστευτήκατε και που συνεχίζετε να μας εμπιστεύεστε. En ce début de soirée, j'émets un vœu que le LFHED, le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, continue à faire que franco-hellénique rime avec réussite scolaire et réussite dans la vie. Είναι πράγματι ένα σχολείο που σφραγίζει αυτούς τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στους οποίους αναφέρθηκα. Ένα σχολείο που από όσα είδαμε, όσοι είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σήμερα, ένα σχολείο που πρωτοπορεί στη συμμετοχή των μαθητών σε πάρα πολλές καινοτομικές δραστηριότητες, ένα σχολείο που πρωτοπορεί στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ γλωσσών, πολιτισμών και ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης της Ελλάδας, της Γαλλίας, αλλά και παιδιών πολλών χωρών που εδώ μαθητεύουν από τον νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. Donc merci à tous d'être ici. Votre présence abondante montre le succès du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. 30 ans d'ailleurs, c'est le bel âge. Il est normal que nous soyons tous ici ce soir en pleine vigueur. 30 ans, c'est d'abord aussi, et un anniversaire comme celui-ci, le moment de se souvenir. Et je m'associe, monsieur le proviseur, à votre hommage à Paul Collaros, qui vient de nous quitter. J'y ajouterai, si vous me le permettez, une pensée vers Pierre Vautier, qui nous a quittés il y a un petit peu plus longtemps, mais qui a tant fait lui aussi pour ce lycée. Il y a 30 ans s'ouvrait sur ce très beau site d'Aïa Parevski, le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, fruit de la volonté politique de deux chefs d'État, soucieux de donner à leur pays un outil qui, par essence, sert le mieux, je crois, à construire l'avenir, un lieu d'éducation et de formation, fondé sur l'échange et la pluralité des cultures. À ce projet original, il fallait donner un mode de gestion également original afin qu'il puisse répondre aux objectifs ambitieux que ses pères fondateurs lui avaient assignés. Il fallait pour cela qu'il puisse se projeter dans l'avenir. C'est ainsi qu'a été créée l'association franco-hellénique pour l'enseignement qui a fourni le cadre juridique nécessaire à cette construction ambitieuse. Le projet de la création d'un lycée franco-hellénique a été conçu comme un projet politique juste après la dictature. Et ça, c'est un projet qui avait une signification profonde puisque la Grèce, qui sortait d'une période d'épreuve, se tournait à ce moment-là vers la France qui représentait la référence pour les libertés, pour la démocratie. Oh,
vous attribuer.